Et donc, tu es tout le monde, c'est Beatmonster. J'espère que vous avez bien, en tout cas, moi, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve sur Empire Total War. Donc, je vous les explique. Aujourd'hui, je ne fais pas du League of Legends. Je fais ce jeu-là parce que je l'aime bien. Je l'ai acheté 10€ à Carrefour. C'est pris d'Inscoon. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va jouer sur Empire Total War. Donc, un jeu stratégie militaire du 17e siècle. Quand il y avait Louis XIV et tout ça. Bref, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on va créer sa petite société. Voilà. Comment faire le commerce. Comment attaquer les ennemis et tout. Donc, on est parti. On va prendre la France. Donc, la France, je ne sais pas où elle se situe. Donc, voilà. Donc, voilà la France. On a la tête de notre roi Louis XIV. Donc, on est parti. Donc, en fait, je vous explique le but de jeu. Le but de jeu, c'est d'envahir. Toute l'Europe, toute l'Amérique et toute l'Inde. Et nous avons des colonies en Amérique du Nord. Et nous avons notre territoire, la France et je crois l'Alsace. Enfin, je crois, je suis pas sûr, bref, je m'en bats les couilles. Et voilà, donc nous on va tenter d'envahir tous les autres pays aux alentours, car nous sommes des psychopathes évidemment. Donc on est parti, donc ferme ta gueule, toi. Hop, donc voilà, let's go. Donc hop, j'ai déjà commencé à jouer un petit peu au jeu. Après, ce que j'ai compris, lui c'est un assassin. Donc voilà, un assassin, oui, donc voilà, hop. Tu vas aller tuer, comment il s'appelle, Senudiario Galion. Bref, je m'en bats les couilles. Oh non, plutôt, parce que lui, t'as plus de chances de le tuer. Donc voilà, donc je vous explique la stratégie tout d'abord. C'est par exemple, hop, j'ai envie d'aller attaquer le royaume de Savoie. Donc vous n'allez pas arriver ici, parce que si justement vous déclarez la guerre, donc vous allez annuler le mouvement, vous allez vous caler pile à la frontière. Comme ça, je vous explique, au prochain tour vous serez là. Route bloquée, je ne sais pas pourquoi, bon, je vais me caler là, hop. Par exemple, au prochain tour, vous activez votre prochain tour, donc hop, imaginons là j'appuie là, hop. Donc eux, ils savent pas que vous allez aller les attaquer, donc ils vous envoient pas d'armée. Donc hop, après au prochain tour vous arrivez, bim, vous les attaquez, bim, vous récupérez le territoire, c'est magnifique, hop, c'est la vie. Par exemple, là, moi, comme je suis un pur enculé, on va dire, je vais aller attaquer l'Espagne. Voilà, donc tu sais pas pourquoi l'Espagne contrôle la Belgique, tu t'en bats les couilles. Donc t'appuies déclarer la guerre, mais dans tous les cas tu t'en bats les couilles, tu récupères le pays, hop, c'est ce qu'on va voir. Hop, magnifique. Oh, ah, là il y a un peu. Tu sais pas pourquoi, t'as quand même l'impression que tu vas perdre. Et bah non, t'appuies sur ça, hop, bim, tu fais directement la bataille. Je ferai une autre vidéo sur la bataille de je sais pas quoi. Voilà, on s'en bat les couilles. Hop, magnifique, victoire, on a gagné. Voilà, merci. C'était Beatmonster sur Empire Total War. Non, je rigole évidemment. Donc là, lui, je crois que lui c'est un diplomate. Non, c'est un gentilhomme, ok. Donc on va aller. Voilà, donc. Avec ça, on peut genre visiter la ville, mais bref, tu t'en bats les couilles de la ville, quoi. Ou tu peux faire un duel. Et hop, t'as 50% de chance de tuer ce fils de pute. Donc t'appuies ici, excuse-moi, ce fils de pute, arrêtez, ça se fait pas de vulgarité. Et hop, donc là, tu te dis, allez, c'est ok et tout ça. Donc ici, vous avez le gouvernement. Je sais, excusez-moi, je parle un peu vite. Donc là, vous avez Louis XIV, hop, trésorerie, 1000, je sais pas combien d'euros. Donc c'est une monarchie absolue. Non, jure, je suis jamais allé au collège. Après, t'as une capitale, c'est Paris, France. Après, ta religion, c'est le catholicisme. Voilà, donc après, hop, t'appuies sur politique, hop, voilà, ça c'est tout ton pays. Et voilà, après, t'as aussi des colonies en Amérique et tout ça. Après, t'as tes ministres, tu sais pas pourquoi il y a un dirigeant, il y a un trésorier. Ferme ta gueule, c'est lui le dirigeant, c'est un monarchie absolue, donc ferme ta gueule. Ah, je m'emballe un peu. Bref, après, par exemple, pour passer en Amérique, t'appuies ici, hop, je t'explique. Par exemple, moi je suis un pur connard, je vais aller attaquer les Indiens. Donc, hop, je me cale ici, je prends ce soldat. Et bim, voilà, hop, déclarer la guerre. Voilà, donc t'y vas, tranquille, pépère. Évidemment, dans le moulin, il y avait des soldats. Donc là, t'appuies ici, bim, t'as gagné. Hop, évidemment, hop, t'as gagné. Après, je parie, je vais me faire enculer après. Voilà, après, tu vas en Inde. Tu vois, t'as pas de colonie, donc t'essaies d'aller en envahir. Donc là, tu vois, là, ça partira au Portugal, donc tu t'en bats les couilles. Après, tu reviens en Europe. Voilà, donc après, hop, tu passes le tour. Voilà, t'as passé un an. Après, tu te fais chier à regarder ce qu'ils font les autres pays, même si tu t'en bats les couilles. Donc, la grande grenade, t'en as rien à foutre. Hop, donc t'appuies sur la barre espace pour aller plus vite. Je t'explique, c'est un tuto. Ok, tu fermes ta gueule. Voilà, hop, Amsterdam, on s'en bat les couilles. Province Unie, tu t'appelles Province Unie, ferme ta gueule. Excusez-moi, je m'emballe un peu. Donc là, tu vois, c'est le moment où genre tu te fais chier, vraiment chier dans un jeu vidéo. Donc évidemment, l'Espagne qui va me déclarer la guerre, si... Ah non, pardon.
Excusez-moi les Espagnols, mais voilà, ça c'est pas trop. J'étais tranquillement et un bateau il vient m'attaquer. Hop. Victoire, t'as gagné, t'es content, maintenant tu dégages, voilà. Ah, je m'en bats les couilles, après je reviens te chercher. Ah là, non, hop, il va dans le port, cette tapette, va. Après la Prusse. Voilà, donc la Prusse, hop. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Là, je suis en train de sodomiser ma touche. Hop, allez, gros. Ça va me saouler, ça va me saouler. Évidemment, je n'ai pas le site spécial, enfin, j'ai pas... Je n'ai pas Final Cut Pro ou iMovie Maker pour changer tout ça. Enfin, j'ai un vieux iMovie, bref. Je vais bientôt me télécharger, donc fermez. Oh, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, on est go, donc la Louisiane. Et évidemment, il vient de me déclarer la guerre. On parie combien, je perds. Hop, défait, vas-y, retourne chez toi. Voilà, j'en étais sûr, je vous l'avais dit, j'en étais sûr. Après, Chevalier de Saint-Jean, s'en fout, Empire Mongol. État italien, Danemark, voilà. Vous apprenez la géographie en même temps, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc là c'est la Norvège, ok. Si vous voulez le savoir, hop là, Portugal, ici là. Bavière, je sais pas. Westphalie, je m'en bats les couilles. Wintersberg. T'as l'impression genre tu vomis quand tu dis le nom de cette ville. Ah là là. Les classes dirigeantes ont remis une lettre de revendication. Hop, c'est parti. National, donc là, hop, on va faire directement. Donc je crois que le mec est parti là, évidemment. Donc, genre, est-ce que je peux, genre. Hop, duel, on va directement aller ici. Hop, j'ai 50% de gagné. Par contre, tu vas vite fermer ta gueule. Hop, merci. Hop, voilà. Donc là, hop, le mec, il est pas venu m'attaquer parce que je voulais pas déclarer la guerre. Donc il est pas venu. Donc après, là, t'appuies ici. Hop, tu vas là-bas, tu fais déclarer la guerre comme un fils de pute. T'arrives, tu cliques ici. Tu cliques ici, hop. Tu mets la barre espace pour aller plus vite. Hop, j'explique. Donc là, tu te dis, ah, tu peux pas trop gagner. Et tout ça. Et tu gagnes. Voilà, tu gagnes. Voici l'Empire. Donc voilà, ce qui est assez cool. Après, donc toi. Donc là, tu te sens chaud et tout. Tu vas prendre ton armée. Hop, 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 hop. Après tu vas déclarer la guerre à eux. Donc tu déclares la guerre. Tu fais hop. Hop. Après là tu te dis peut-être que je vais perdre. Eh ben non. T'as gagné. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc après tu regardes. Après donc, tu vois, la province unie a déclaré la guerre à l'Espagne. Hop. Après tu remontes. La Prusse a déclaré la guerre en Autriche. On s'en fout. Pologne face à la Lituanie. On s'en fout non plus. Donc là tu vois, il y a des bâtiments qui ont été construits. Après les caractéristiques gagnées par tes personnages, hop. Après là tu vois direct faction détruite de la Savoie vu que c'était pas la France et tout ça. Après tu vois la Savoie qui a été capturée. Après caractéristiques gagnées, hop tu vois. Après là t'as Westphalie qui a été détruit. Et hop, Bim t'as capturé cette région. Et après tu regardes ici. Donc voilà, tu es dans le politique. Donc au début, ton territoire c'était ça et ça. Et maintenant, t'as ça, ça et ça. Donc là, t'es refait. Tu dis allez. Donc allez, salut tout le monde. Peace.